Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais tout simplement reprendre des munitions parce que j'en ai plus. C'est bon. T'es sérieux là ? Ouais, ça m'a remis des munitions. Bon, maintenant qu'on va tout simplement faire un tour là-haut, on va se rendre dans la fameuse prison qui voulait libérer à tout prix. Donc, est-ce qu'il y a encore du monde qui se bagarre ici ? Justement, oui. On va se calmer, lui. Non, mais sérieux, au bout d'un moment, faut qu'ils se détendent, les mecs, hein, parce que je veux pas être forcément toujours leur pote, mais... Ils sont combien ? Regarde autour de toi. Oh, le pompe, il est très efficace. J'ai trouvé le fusil à pompe très très efficace. Ça veut dire, mais pourquoi ça, Body ? Parce qu'il en a fumé deux d'un coup. Justement, faut faire tout le tour. Donc, ils veulent qu'on se rende ici. Donc, à mon avis, il y a quoi là? Ils veulent qu'on fasse quoi? Les cadavres de l'APC. Mais on n'y est pour rien. Ça doit faire un jour qu'ils sont morts. Les prisonniers sont peut-être sortis quelque part par là. Oui, c'est vrai, faut que je récupère des prisonniers. Donc, il y a beaucoup d'hostilité maintenant. Est-ce qu'on peut se rendre compte dans cette zone? Il y a quelqu'un qui m'a tapé là, qui m'a fait du mal là. Normalement, s'ils ont mis une bâche, c'est que je peux monter, on est d'accord quand même. C'est pas... Non, c'est pas pour m'en prendre une quand même. Oh putain, c'était vraiment pour m'en prendre une quoi, quasiment. C'est une blague leur jeu. Donc, moi je dois aller là-bas. Non mais c'est bon, calmez-vous quand même, hein, les machins. Donc là, j'étais là tout à l'heure, il y avait personne. Donc là, il y a personne, mais moi je pense que ça peut être en bas dans le tunnel. Mais avec eux, faut vraiment s'attendre à tout parce qu'ils te font bien bien galérer en fait à trouver... Faut que je trouve quoi exactement déjà là? Faut que je trouve des petits malins dans ce secteur là, ça j'ai bien compris. Ah, inspecter les murs d'enceinte. Ah bah ça veut rien dire tout ça. Et tu les inspectes comment les murs d'enceinte là? Maudit, c'est pas là les murs d'enceinte, c'est là-bas. Voilà, ça doit être là les murs d'enceinte. Putain, et tu t'en prends une bien belle dans le postérieur. Hein. Donc là, il n'y a rien. je vais les inspecter avec la moto. Moto, moto, moto. J'avais pas vu qu'il y en avait deux. Voilà. Ça s'appelle arrêter, m'arrêter directement. Oh putain. Oh la moto à la con. On m'a dit, t'es un conducteur en carton. Je sais, merci de me le rappeler. Je le serai pour la prochaine fois. Donc, la mur d'enceinte. Il y a un mec quelque part là. Il y en a même deux. Donc, c'est sur les miradors qui se trouvent. Mais c'est à moi de deviner où tu dois y aller là. Attends. Bah, voilà pourquoi j'ai pas réussi. Parce qu'il y avait une petite cachette. Ah, bah voilà, ça change tout là. Du moins, j'espère. Dan, je pense que les prisonniers sont sortis par ici. Ils doivent savoir comment ouvrir cette porte sécurisée. Merde. J'espère que ce soit un simple tunnel ou quelque chose qu'on pourrait utiliser. Bon, tu vas devoir suivre leurs traces, découvrir comment ils ont ouvert cette porte. S'ils sont en fuite, ils chercheront des endroits où se cacher. Ils pourraient être retranchés dans une de nos planques. Tu ferais bien de télécharger les coordonnées de l'émetteur. Bonne chasse, Ethan. Et je peux pas ouvrir là pour l'instant ? Allez, ouvrez-moi la porte. Ils ont pas envie. Donc, la meilleure chose que j'ai toujours appris, c'est de monter sur un frigo pour pouvoir t'évader. Ah oui, le frigo, il a beaucoup d'utilité quand même de nos jours. Eh merde, il y aura une petite embrouille là-bas. Ouh, le pauvre, il a explosé. Eh, hey, j'ai la roquette la plus puissante, ils vont pas me faire chier quand même, non? Toi là-bas, tu dois normalement mourir.
C'est con que j'arriverai à bien viser ces petits merdeux. Ah oui, 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 comme par hasard. Bien. Joli travail. Donc j'aimerais bien passer par là. Puis par là. Vous allez dire, mais pourquoi t'as voulu absolument venir ici? Parce que c'était facile, parce qu'il y avait juste un émetteur actionné et du coup ça nous appartiendra. Même si j'en ai pas l'utilité, je passe par là et je me tape la nuit après. Merde, ça j'ai pas pensé. Ah, ça c'est moche. Ça c'est très très moche. Ah, la poisse. Voilà, ça c'est un petit peu con de ma part d'avoir fait ça, parce que maintenant on va se retrouver en pleine. Excellent travail, Brady. Le vieux système de radio sera bientôt opérationnel. On pourra diffuser notre message aux gens pour qu'ils sachent qu'on ne les abandonne pas. Pour qu'ils sachent qu'on se bat pour leur liberté. Ouais, 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 la liberté. La liberté de prendre mes armes et de vendre mes bricoles. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Non, t'as pas tout ce qu'il faut, justement. Attends, on va se soigner pour reprendre des soins parce que... C'est le truc qui sera le plus intéressant. Merci, c'est bon, je peux enfin me permettre de faire des trucs intéressants. Donc, qu'est-ce que j'avais tout simplement envie d'améliorer à 3000 rapidement? J'avais tout simplement aussi envie de mettre lance-roquette, mais il doit être à 4000, je pense. Voilà, tu vois, c'est ce que je pensais. Et le fameux pistolet, là. J'utilise beaucoup celui-là. Ah ouais, donc celui-là, par défaut, il fait plus de dégâts. Ouais, bah prenons celui-là, améliorons-le au moins. Il sera peut-être un petit peu mieux. Tu vois, la portée va être un petit peu mieux amplifiée. Et voilà. Bon, j'aimerais bien que tu n'arrêtes... Voilà, merci, c'est ce que je voulais que tu fasses. C'est joli, il fait nuit. Quelle merde, body. Ça, c'est mal foutu, par contre, que c'est toujours la nuit comme ça. La 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 la... Cet immeuble abrite l'émetteur de la PC. Oh, le vieux bug. Oh, le vieux bug que ça m'a fait. Eh, le petit vieux, viens là. Oh, je peux même pas le recruter. Eh, mais c'est mal foutu, parce que je te jure, je voulais le recruter, j'ai pas pu. Bon, là, ça s'appuyait, mais... J'ai réussi, mais c'était pas évident quand même de le recruter, celui-là. Bon, faudrait qu'on fasse un tour quelque part, je suppose. Eh oui, comme toujours, hein. Comme toujours, faut passer par un bâtiment, puis un autre. Eh oui, 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 ils sont comme ça dans ce genre de trucs. Voilà, je vais passer par là-haut, parce que j'en ai marre de sauter comme un lapin partout. Toutes les zones rouges sont interdites pour le public. Oh, je suis monté sur le toit. Moi, devoir sauter sans faire mal. Toi, trop rêvé. Un peu trop impossible comme tâche pour toi, body. Bon, par là, je peux ou pas, hein? Merde. Moi, pas trop comprendre comment actionner le mécanisme de la... De... Pour sauter. Oh, putain. Et j'arrive une fois sur 10 à le faire, donc laissez-moi un peu le temps. Ah tiens, il fait... je m'amuse tellement bien, c'est qu'il fait déjà jour. Putain, j'ai réussi tard à le faire du premier coup, mais non, j'arrive plus. Non, mais c'est quoi cette blague, sérieux, là? Eh, je vais devenir chou à la fin de cette session de jeu. En fait, parce que j'avais fait ça la dernière fois. Oh, et puis merde, hein. Bon, le petit vieux, pousse-toi, parce que moi, je veux passer par un autre chemin. Non. Tu peux pas, t'es obligé de passer par là. Oh, le truc tout pourri. Attends, parce que le joueur, en fait, il est un peu bizarre. Faut se mettre pile poil là. Puis, faut faire semblant d'aller là. Non, j'ai pas dit comme ça. J'ai dit comme ça, là. Il va pas m'énerver, lui. Hein. Voilà, tu vois, j'avais raison. Ah, faut sauter là. Puis, on avance encore. Et après, je suis pourquoi ici? Ouais, ta soeur, moi je peux pas. Ça, je suis pas loin de l'objectif et ils vont me faire chier. Ah non, mais attends, je suis à côté de l'objectif. Ils vont pas commencer à m'embêter. Tiens, du premier coup. C'est qui le patron là? C'est la journée, le patron.
Et maintenant, on va passer en mode journée. Cool. C'est ça que tu voulais que je fasse? Ça y est? C'est quoi la prochaine étape? Eh ben, dis donc. Je suis sûr qu'ils vont nous faire soulever la ville. J'envoie les coordonnées de planque potentielle sur ton téléphone. Vois si les prisonniers sont retranchés dans l'une d'elles. Salut les gars. Tu veux devenir mon copain? J'attends vos ordres. Allez, venez. On va faire connaissance avec nous. Nos mercenaires qui veulent nous tuer. Non, nos prisonniers plutôt. Donc le dirigeable va nous scanner dans pas longtemps, donc c'est pas grave hein, qu'il nous scanne. Hein. On a un problème, Brady. Les Nortons ont installé une base de lancement de Duster. Ils vont s'en servir pour gazer les autres zones rouges. Tu dois la détruire avant le lancement. Touche au but, Ethan. Sois prudent. Toujours la même chose en fait. Tu peux pas poursuivre la mission pour pas qu'ils t'envoient un autre truc. Ok. Donc moi je vais essayer de passer par par là en fait. Hein. C'est par là ou pas, votre avis? Les prisonniers étaient là, mais quelque chose les a obligés à partir. Ils vont peut-être à un endroit bien précis. Je me demande s'ils ont un plan pour s'enfuir de Philly. On ferait bien de les rattraper avant qu'ils se fassent la malle. Donc là, ils sont là. Donc moi, personnellement, l'histoire derrière moi, là, je m'en fous un peu parce que je vais tout simplement pas calculer. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vers les deux dernières zones. Des ruines de la clinique J. Harris. Voilà, le dernier. Pourquoi ce drone, là? Il s'est lâché sur moi, il est fou le drone là. Donc, recharge tes balles. Dommage qu'on n'a pas un truc pour recharger légèrement plus vite. Parce qu'il y avait marqué qu'on allait recharger un peu plus rapidement nos armes, mais je vois pas forcément cette amélioration quoi. Donc un tout petit peu plus loin, ça va être là. Il y a encore du monde. Oh yo 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 yo. Je suis déjà repéré là. On n'a pas eu de nouvelles depuis. C'est découvrir quelle est la situation. Eh, ça va vite pour se faire flinguer là-dedans dans ce jeu-là. Donc moi je suis pas trop loin donc j'espère. Les Norcos s'intéressent de très près à l'usine de traitement des eaux de la vieille ville. Ce doit être un maillon de leurs opérations de gazage. Prenez le bastion qu'ils y ont installé. Un nouvel abri potentiel droit devant. Regarde si les prisonniers s'y trouvent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse à chaque fois? J'espère qu'ils sont pas trop loin. Continue de chercher, Dan, il faut découvrir ce qu'ils savent. Ouais. Tiens, parce qu'en fait on voit les menottes, c'est pour ça ils sont passés là, ils sont gentils quand même les prisonniers parce que ils nous laissent des cadeaux, souvenirs. Coucou, t'as les menottes que j'ai eu. Pardonnez-moi, j'ai un petit peu bloqué. Donc je vais essayer de passer par là-bas parce que ça va pas du tout. Là on a la moto mais c'est juste à côté donc le temps que je la prends, le temps que je me range, que je la range plutôt, ça va pas être très intéressant. On va bientôt explorer toutes les possibilités. J'espère que tu les trouveras dedans. Eh ben non, je pense pas qu'ils sont là. La résistance, j'ai besoin d'aide. On est trois à s'être évadés mais on a dû se séparer et un sniper m'a touché. Les autres attendent Brooks sur les quais dans un conteneur blanc. Il nous vend un bateau. Dites-leur de venir me chercher. Aller les chercher sur les quais avant qu'ils trouvent un bateau. Carrément, donc c'est vraiment de la balade hein, quand même. Hein. En plus, on est repéré, mais ils nous font bien balader. Donc maintenant, il faut aller autre part. Moi et toi, on n'est pas copains. Attends, on n'est pas potes et le mec, ça y est, il sympathise avec moi comme ça. Donc maintenant, faut qu'on aille chercher les personnes là-bas. Je suis pas fan des snipers, tu vas te calmer. Hein. Hop, hop, hop. Donc il y a une radio quelque part allumée, mais compte pas sur moi parce que je m'en fiche. Je vais profiter pour recharger un petit peu mon fusil. Là, on a une moto qu'ils ont laissée. On va aussi leur laisser parce que les motos, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un, bien évidemment. Et les voler, c'est un délit. Donc on va éviter de faire des délits dans le jeu parce que c'est pas sympa de voler des choses qui nous appartiennent pas. Ce prisonnier blessé a parlé d'un conteneur blanc. Tu ferais bien de vérifier. Ils sont peut-être cachés à l'intérieur. Ah bah il est là ton conteneur blanc là. Il est juste là je pense. Mais tu crois qu'on peut sauter? Oh faut que je fasse tout le tour. Ils sont pas sérieux. C'est reparti. On va faire tout le tour. Parce que le seul conteneur blanc qu'il y a, il est là. Parce qu'après les autres j'ai pas l'impression qu'ils sont... Tu vois, il n'y a pas de conteneur, donc le seul que je vois, pour moi, il est là, et il s'est même cadenassé.
annonce mal. Non. Attends, ces cadavres sont anciens, ça peut pas être ce qu'on cherche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup d'histoires fabuleuses. Il y a un autre conteneur blanc de l'autre côté. Ok, ça y est, j'ai repéré. Donc là, il y a aussi un autre conteneur blanc. Eh oui, hein, tant qu'à faire, on les fait tous. Hein. Tu sais viser, toi, au moins, ou pas avec un fusil? Bon sang. Merci. Qui c'est? Je vois rien. Qui que vous soyez, merci. Je croyais qu'on allait crever là-dedans. Cet enculé de Brooks nous a enfermés et nous a laissé moisir ici. Il était censé nous trouver un bateau. Il disait que tout était prévu. Qu'est-ce qu'on a été con. Je savais qu'il fallait se méfier d'un collabo. On a payé $1000 chacun pour finir dans ce cercueil géant. Vous êtes un résistant, hein? Ne nous laissez pas, ils vont nous renvoyer en prison. Je tiendrai pas un jour de plus dans ce trou. Ok, ok. Doucement. Écoutez, vous voulez bien nous aider? On a passé 3 ans dans la zone interdite, et on a eu de la chance de tenir aussi longtemps. Si vous nous trouvez un bateau, on vous donnera tout ce qu'on a. On n'a plus d'argent, mais... Brooks nous a vendu une carte magnétique. On s'est évadé grâce à elle. J'imagine qu'elle pourrait être utile à la Résistance. Je vous la donnerais bien maintenant, mais je l'ai avalée par précaution. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais dès qu'elle ressort, elle est à vous. Trouvez-nous juste ce bateau. On en a vu un plus bas près du pont. Il faut seulement que vous vous occupiez des soldats. Et Redding? On doit retourner le chercher. On va le faire. Dès qu'on aura repris des forces, on ira le chercher. Si tu cherches un bateau, tu devrais trouver ton bonheur dans l'atelier de réparation à proximité. C'est d'ici qu'on partait en mission de ravitaillement, le long de la rivière, jusqu'à ce que les Norco interviennent. Ça marche. On va récupérer le bateau pour les prisonniers. Vous voulez pas aussi des sandwichs, un petit fast-food, des frites? Ça fait longtemps parce que vous êtes sortis de prison, les gars. On va vous donner tout ce que vous avez envie, non? Ah oui, c'est un super jeu, en fait. Tu tombes, t'es mort. Eh bah putain, je pensais que t'allais tomber dans la flotte et que t'allais te relever, et bah non. Oh là là, qu'est-ce que c'est réaliste, quand même. Donc ce jeu-là, il déteste l'eau. Ouh, non, ne me dis pas que je vais te retaper, bêtement. Si c'est ça, franchement, c'est que c'était un désastre. Je pense non, parce qu'en fait, là, ils veulent pas vraiment... Attends, je vais voir. Ah, bah oui, tant qu'à faire. On va récupérer vite fait, normalement, le conteneur. Il me voit pas, parce que j'ai pas d'armes dans les mains. J'ai pas d'armes, les gars, dans les mains. Donc, attends, parce que normalement, si je bouge pas, ils peuvent pas m'avoir, normalement. Aïe 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 aïe, donc là on a un super véhicule. Donc c'est bon. Ça se trouve un petit peu. Pas mal mon truc. Hein. Donc, le bateau il se trouve là-bas, mais. Non mais c'est une blague. Non mais je veux pas faire le mec relou, mais. Comment tu passes par là-bas? Merde, il va m'avoir. Quelle logique. Non mais le bateau, tu peux pas y aller. Tu fais comment pour passer? Ouais, bah lui, tu peux oublier complètement de lui mettre un coup de couteau parce que c'est plutôt lui qui va te décoiffer ta race. Bah écoute, on teste des options, on teste, hein. Oublie pas que l'importance dans un jeu, c'est de tester toutes les options. Même si tu dois laisser ta vie. Mais qu'est-ce que j'en ai marre de cette connerie, je te jure. Bon, on refait un tour là-bas. Donc on a été moins efficace, donc on a perdu la même santé, la même vie. Et on poursuit, donc vous allez pas me dire, ouais, non mais c'est compliqué, Body. Mais non, t'inquiète pas. Donc on sait maintenant qu'on sait courir. C'est déjà un bon point, hein, Yann. Je cours vite et je me fais plus repérer. Mais un gros défaut, c'est que le bateau, comment tu veux que j'arrive à le prendre si je peux pas nager? Donc je vais passer plutôt par là cette fois-ci parce que là-bas c'est pas intéressant. Il doit y avoir un petit côté qu'on peut peut-être rejoindre. Ouais, elle est belle la vie. Hein. Mais tu fais comment pour rejoindre le bateau?
Le mec, il peut pas nager, vous avez vu, il meurt lui. Peut-être que là, il peut. Je sais pas, moi, je ferai un truc logique, je passerai par là. Tu vois, c'est mal foutu. Oh là là. Ah oui, il devait nettoyer, je suis idiot. On devait nettoyer la zone. Donc le bateau, on en a rien à secouer parce que c'est le nettoyage de la zone qu'il voulait. Tiens, il y a déjà un drone qui nous survole. Là, il nous reste des adversaires. Putain, mais tu peux même pas te soigner. Pourtant, j'ai appuyé sur la touche pour me soigner. Bah non, ça a pas passé. C'est pas grave, on va essayer une deuxième fois. Ah, j'en ai marre, je te jure. Et pourtant, je me suis soigné. Ce que je déteste sur ce jeu-là, je vais pas vous le cacher, c'est le côté des soins. Je trouve ça naze, en fait, de voir que tu peux rien faire, en fait. Tu peux même pas piquer parce qu'il te bouge complètement les mains. Tu trouves ça logique, toi, comment je viens de tomber, là? Je suis immobile, hein. Je suis devenu mobile, je suis immobile. Je suis immobile, je glisse. Je glisse, comme dans Call of. Laisse-moi tranquille. N'importe quoi. Donc maintenant, je vais nettoyer cette fameuse zone. Donc on sait qu'on a un RPG. On sait qu'on a la moitié de la moto qui est sur la carte. Ok, donc là, je vois qu'ils ont des drones. Parce que moi, je me suis dit peut-être qu'il faut actionner un mécanisme dans le bateau. C'est pour moi, j'ai cru que c'était tellement logique. C'est quoi ce buisson? C'est un buisson, c'est un carré, mon pote, que tu peux pas passer. Tiens, on va la jouer différemment. Tais-toi. Bon, oh, arrête. Hein. Bon, le masto, il y a un compte à régler entre toi et moi. Parce qu'il y a son pote qui est en face. Maintenant, il y a le masto qui est là. Il est où le masto? Dans les couilles ou dans... Attends, dans les coffres. Comme ça, il ne nous embêtera pas. Donc maintenant, l'objectif, c'est de capturer cette zone aussi. Je suppose de la prendre sous notre contrôle. Et bah, le truc, il est caché où? Tiens, tiens, tiens. Je vois pas du tout le mécanisme, là. Je dis pas que je peux monter encore plus haut pour actionner ça, non? Je regarde parce que des fois il peut y avoir des trucs intéressants. On va prendre le fusil à pompe, on ne sait jamais. Allez, gratte-lui les fesses, body. Pas trop non plus parce que. Il va trop apprécier après. Il y a des trucs là-haut. Comment tu passes pour actionner la zone là, dans laquelle je me trouve? Ok, donc je suis ici. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Une télé, ça ne sert à rien. Donc je dois passer par la grue. Ouais, je dois passer par la grue. Donc la moto, elle est recommandée ici. C'est une blague ou quoi leur jeu? C'est un peu une blague, mais bon, c'est pas grave. Ah, il y a un truc à actionner. Donc on a trouvé un bon moyen. Trouver le moyen d'alimenter les générateurs. Oui, bah le câble vert, il va quelque part, non? Bah, il va là-haut. Tout à l'heure, j'avais aperçu des choses là-haut, là. Et le générateur, il menait quelque part. Donc là, pourquoi ils mettent le logo de la moto? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Tu passes pas là avec la moto, abruti, va. Le générateur, ça peut être ça. Attends, parce que leur jeu à eux, il est un peu partos, hein, un peu particulier. Hein. Donc, attends, je vais voir s'il n'y a pas un câblage ou un truc par terre. Non, j'ai plus d'ampoule là. Parce que par moment, en fait, ça fonctionne. Des fois oui, des fois non. C'est comme ils ont envie. Parce que pour moi, je dirais qu'il peut y avoir peut-être quelque chose avec la grue. Tiens, il n'y a pas des trucs à récupérer là-dedans. Voilà, lui il est mort. Au moins c'est fait. Donc ça tu peux pas le prendre. Donc il y a quelque chose à faire là-bas. Donc faut que je remonte en fait. Ou je dois passer par là. Donc on sait que le générateur tu peux l'alimenter de cette façon. Après ça va là. Et si je tire dedans? Non, ça sert à rien.
La batterie elle est là. La batterie elle est là, mais tu peux rien faire avec la batterie là. C'est relié avec la batterie. Ça je veux bien, mais il y a deux batteries maintenant. Ouais, ok, ok. Il n'y a pas un générateur ou je sais pas quoi. Donc lui, je peux pas le contourner derrière. Non, je peux pas. Je regarde parce que des fois, ils ont des trucs tellement bizarres. Là, je peux rien faire non plus derrière. Ouais. Ouais, mais peut-être c'est lui le générateur. J'exagère, mais ça se peut qu'il ait un truc qui nous intéresse. J'aurais bien aimé. Donc déjà, je vais regarder comment tu peux te débrouiller. J'allais dire, c'est quoi ce mec là-haut là qui nous attend? Ou peut-être que je suis tellement con, ça doit être tellement évident, ça doit être à l'intérieur. Tu vois, ils ont mis une moto, c'est pas pour rien, il y a quelque chose à faire avec la moto. Donc là, il y a un truc de logo, de moto. Et là, je sais pas pourquoi ils ont foutu une moto. Ouais, j'ai compris. C'est moi ici, Paris. On a un gros problème. Les Norcos frappent une de nos plantes et nos hommes à l'intérieur peuvent pas s'échapper. Ils sont foutus si personne les aide à temps. Putain, mais on peut vraiment se concentrer sur une mission dans ce jeu-là où il est obligé de me faire chier pour une deuxième. Attends, mais c'est lassant parce que j'avais trouvé enfin la solution. Voilà. Tu vois, j'avais raison qu'il fallait se faire chier avec une moto. Donc voilà, ça c'est fait. Et voilà le câble. Il y a même des tourelles, je crois. La mission est accomplie. C'est un vrai succès. Voilà, sécuriser le bateau pour les prisonniers. Non mais... ça, je veux bien, mais... Donc, tu passes par là. Bien évidemment, tu peux pas trop te baigner n'importe comment dans ce jeu-là. Donc, ils ont fait un drôle de truc, parce qu'il faut passer... Et là où ils ont envie de passer, que tu passes. Voilà, ça y est, on est là. Eh bah, ah d'accord, c'est comme ça que t'actionnes. Oh, mais, oh là là. Eh franchement, atelier bateau, c'est... Moi je cherche le petit éclair depuis tout à l'heure, depuis on va dire combien de temps. Allez, 10 minutes et il était juste là. Oh, comment c'est vice là. Bon c'est bon, tes prisonniers sont satisfaits maintenant. Tiens, les a déjà mis là. J'y crois pas. Vous nous avez trouvé un bateau. Vous êtes passé au travers d'un paquet de Norcos sans la moindre égratignure. Vous êtes un putain de dur à cuire. Faut bien l'avouer. Ouais, impressionnant, Brady. Je pensais pas que les chiffres molles de la résistance en avaient autant dans le froc. Hé, un peu de respect, Floyd. T'es resté trop longtemps au contact de la PC. T'as oublié comment on devait traiter ceux qui nous aident. J'adorerais m'asseoir et passer la journée à discuter de morale avec vous, mais faut qu'on y aille. La PC va bien revenir un jour. J'ai envie d'être loin d'ici quand ils viendront nous chercher. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, on va y aller. Voilà la carte magnétique que je vous ai promis. Vous l'avez plus que mérité. Bonne chance, Paradis. J'espère que votre petite révolution marchera. Bon boulot, Ethan. Cette carte magnétique te donnera accès à la zone interdite. Dirige-toi vers la porte. Une fois à l'intérieur, cherche un dénommé Philippe Small. C'est une vieille connaissance. Il y a plus fiable que lui, mais il peut nous aider à recruter une équipe. J'ai les flingues, j'essaie juste de te les faire parvenir. C'est compliqué d'avancer pour le moment, mais je te rejoindrai. À bientôt. Oui, après moi je me sors comment de cette galère? Tu sors comme ça. Magnifique. Ok, donc c'est à 300 mètres. Donc on a une carte magnétique beaucoup plus puissante, ça fait plaisir. Donc niveau 3. Il est où le haut-parleur pour que je le flingue là, il y en a marre. Bon allez, juste pour s'amuser, je vais faire un peu d'artifice. Je suis pas là, c'était pas moi. C'était pas moi, je te dis. Ouais, je cherche pas, hein. J'ai tout cassé, mais ils ont bien aimé.
Oh là 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 là. C'est magnifique de piloter cette connerie parce que regarde, je suis en train de même passer certains détails. Un beau cul, je vais lui mettre. Donc là, oh là là là, ah, c'est chaud parce que c'est juste là qu'ils sont stationnés. Je veux pas dire, mais ils sont vraiment partout. Il est pas mort, s'il est mort. Donc là, on va passer en dessous maintenant. Mais regarde-moi cet endroit, s'il te plaît. Faut que je me soigne parce que ça va pas bien se passer. Mais t'as vu ce joli truc? Regarde. Regarde comment ça. On peut voir combien il avait marqué. C'est bien, comme ça on admire un peu les cinq. Ma carte a marché. Ça me surprend un peu, mais avance dans le. Non, mais je t'écoute plus parce que j'ai envie d'avancer tout seul dans mon truc. Mais par contre, vous avez vu comment ils ont encerclé le périmètre. Donc c'est un peu bizarre que tu peux passer comme ça à travers tout le monde. Hein. Mais bon, on a réussi. L'essentiel, c'est qu'on se prend pas la tête. Qu'on arrive à destination sain et sauf. J'étais un peu blessé, mais ça va, on s'est remis un petit peu de nos blessures. Ça promet quand même hein, de voir que ça va devenir plus en plus tendu, à mon avis, maintenant qu'on a la carte. Les niveaux d'accès vont pas rigoler. Une fois sur place, reste sur tes gardes. La zone interdite est un gros complexe pénitentiaire. Les Norcos l'ont mise en place pour enfermer tous les... On dirait qu'ils s'en sont pas tous sortis. Autant que tu prennes son uniforme de prisonnier, parce que ça m'étonnerait qu'il en ait encore besoin. Tu vas devoir te fondre avec le reste des détenus si on veut que ça marche. Non, mais ton uniforme. Par contre, il pue quoi le mec, comment on fait? Mais il fouette. Ça se voit. D'accord, j'ai pas pris l'uniforme, j'ai pris le mec. Carrément, j'ai possédé son corps. Oh, le drôle de truc. Bonjour, je suis un mec qui pue. Nous y voilà. Faut pas traîner. Rends-toi directement à la planque. C'est le dernier emplacement connu de mes associés. Et fais gaffe à ton cul, Ethan. Pourquoi je veux pas me faire exploser mes fesses, hein? Je sais que je suis en prison, mais s'il te plaît. Et les Norcos ont renforcé la sécurité ici. Ne vous parlez. Si vous parvenez à gagner le soutien des prisonniers, vous aurez une chance. Alors faites ce qu'il faut pour envenimer la situation. Sale merde. Tout est en ordre. J'ai la ferraille nécessaire. Jack Elton. Je suis sûr qu'il faudra qu'on avance à 100%. Comment il sait que je suis déjà un résistant, lui? Ce qui me fait rire, c'est qu'à la base, on n'est pas cramé, là, oui. Ber a dit qu'il n'hésiterait pas à tuer Tank. La planque est quelque part dans la bourse. L'APC a parqué tout le monde à l'intérieur et les détenus font leur propre police. Small a monté son opération ici puisque les Norcos y mettent pas les pieds. Ouh, yeah! Trop bien! Et s'amuse à faire l'UFC quoi. Non. Non, maintenant faut qu'on trouve la fameuse planque. Peut-être qu'il faut que je passe par là-haut. Voilà, on va passer par là. Mon dieu. Voilà. Pauvre connard. Bien, vous êtes prêts? Vous allez le regretter. Pauvre connard. Je te jure, j'ai trop envie de sortir mon flingue. Brady, la planque va pas te sauter aux yeux comme ça, ce sera trop simple. Il faut que tu cherches des symboles ou des points d'accès cachés. Bah tiens, j'ai trouvé des symboles et un point caché. Ils sont sérieux avec leur planque, eux. Donc à 9 mètres. Carrément, ça va être dans la cage. Ça paraît logique, hein. Tu mettrais là la planque, dans la cage. Et y a combien de radians dans cet endroit, sérieux? Mais Body, là, c'est une maison, là, que t'es en train de faire. Ouais, mais c'est beaucoup plus facile. Je vois le même délire scolaire, ce que tu peux constater. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Ah, le bordel. T'es obligé de répéter la même chose. Donc là, il n'y a rien dans ce taudis. Moi, je dirais que ça va être dans la cage, la UFC, là. Ah,
Ouais, ça va être là-dedans, je pense. Là, je peux pas sauter. Non, je peux pas sauter. Ça peut être là. Non, je voulais tester parce que des fois, tu peux te taper un petit fou rire. Elle va me démonter, la meuf. Attention. Ah non, il me vire quoi qu'il arrive, donc c'est pas là. Bref, on verra bien où c'est hein, dans le prochain peut-être épisode parce que là. On va en mettre du temps à trouver. Tiens, bah, je l'ai trouvé. Donc bah, finalement, on va continuer un peu. Bah voilà, c'était là la planque. C'est plus rapide de jouer de cette façon. Carrément, mais regarde, ils ont toute une planque comme ça. Eux. Recule, putain! Ok, assieds-toi sur cette chaise. Recule! Assieds-toi! T'es qui, toi, putain? Un agent Norco? Putain de merde! Je vais te faire sauter la cervelle! Je te jure que... Vas-y, réponds! Réponds! Tu devrais pas les faire attendre. Brady? Brady, t'as établi le contact? Moore? C'est bien toi? Putain, je te croyais morte! Small? Petit con. T'aimerais bien me voir morte, hein? T'as oublié ce que je t'ai dit la dernière fois? Non, non, ça roule. Je te promets. Eh ben, j'espère. Bon, écoute-moi, t'es avec Ethan Brady. Il est avec moi et je te conseille de bien le traiter. Ouais, bien sûr. On va choper Simpson à la mairie et on va foutre le bordel à la télé. On lui a préparé son discours d'adieu. Ah bon? Oh putain, ouais, on va venger Walker! Bon plan! Il va nous falloir des putains de durs à cuire pour prendre la mairie. Tu connais du monde? Ah, bien sûr! J'en connais une bonne dizaine qui seraient prêts à traverser les murs pour corriger les Norco. Bon, alors rassemble une équipe, on fournit les flingues. Autre chose, il nous faudra un moyen d'entrer dans la mairie sans qu'on se fasse voir. Impossible d'employer la manière forte, on joue la carte de la furtivité. Écoute, recruter une équipe, ça me connaît. Je pourrais faire ça les yeux fermés. Mais vous comptez vraiment entrer dans la mairie sans vous faire voir? Non. Attends, j'ai une idée. Mon pote Michael Legolas, il a exploré les vieux tunnels de service. C'est quoi ce putain de nom, Michael Legolas? Tout le monde a des godasses. Eh oh, c'est un type bien, ok? Bon, comme je te le disais, il adore traîner dans les tunnels, comme une araignée ou un truc de ce genre. Il sait peut-être comment entrer dans la mairie. Ok, d'accord, je vais pas tarder. T'as intérêt à être prêt. Eh, attends! Oh putain! Je pensais vraiment qu'elle était morte. Je la préférais comme ça, d'ailleurs. Bon, écoute, la plupart des types dont on a besoin sont enfermés dans des iso-coffres. Récupère la liste des détenus pour les localiser. Je t'envoie l'emplacement sur ton téléphone. Bon, il faut que je retrouve Mickey. Il est notre seule chance de rentrer dans la mairie. J'espère juste qu'il n'est pas parti se prendre une cuite. Bah voilà, c'est génial. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, tout simplement, c'est de continuer bah, juste après, parce que j'ai pas mal d'argent et j'ai pas mal de conneries aussi à découvrir encore, à mon avis, dans le jeu. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, j'espère que votre petite révolution marchera.